Bon, on va prendre un autre cousin parce que la fille est trop petite, ça gosse. Oh mon dieu, je vais te tuer. Oh my god! J'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, comme vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de vous énumérer les trucs que j'haïs le plus au monde. Genre, un petit peu, assez, pas mal, beaucoup. Genre, ça m'énerve, hein, s'il vous plaît. Fait que j'ai comme décidé de vous partager ça aujourd'hui parce que, why not coconut, hein? Donc si c'est pas déjà fait, ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour voir plus de contenu, à cliquer sur la petite cloche grise, noire, bref, à cliquer sur cette petite cloche-là. Fait que sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Ok, le premier fait, les gens qui marquent sur leur bio Instagram « Live in Montreal QC ». Mais que dans le fond, ils habitent à Chibougamo. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre le lien entre Montréal pis Chibougamo? Moi, je vois pas. Genre, vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Quand je m'en viens pour choisir un film sur Netflix, évidemment, pis que ben, j'ai à choisir une langue, ben d'habitude, je prends tout le temps, mais tout le temps français. Fait que là, je m'en vais pour aller choisir ma langue avant d'écouter mon film. Pis ben, je me rends compte que le film que je suis dans le mood d'écouter, ok, que ça me tente d'écouter, parce que c'est juste ça que je veux écouter en ce moment, ben, il y a toutes les langues sauf le français. Genre, portugais, allemand, italien, espagnol, portugais, brésilien, chinois simplifié, chinois pas simplifié, mais il y a pas français. Est-ce que je peux comprendre? Bon, ok, quand j'ai une grosse envie de manger des céréales, ce qui est comme 24 heures sur 24, je suis comme une folle des céréales, ben, des céréales, ça rime avec du lait, en tout cas pour moi. Fait que quand j'arrive pour aller vers le frigidaire pour prendre la pinte de lait, ben, je la prends. Puis là, ben, je m'en vais vers mon bol de céréales. Puis là, ben, j'arrive, je dévisse le petit bouchon, j'arrive pour verser du lait, j'attends que le lait tombe dans mon bol de céréales, mais tu sais-tu quoi? Je me rends compte que y a plus de maudit lait. Genre, quand je te dis plus de lait, c'est que c'est vide. Oh, vraiment. Fait que là, je me dis, ben voyons, c'est moi qui dois pas avoir penché la pinte de lait assez comme plus que 45 degrés. Fait que je me dis, je vais la pencher carrément à 100% de degré ou à la verticale. Donc, je le penche comme il faut. Puis là, il y a rien de plus qui tombe. Je sais pas, on n'est pas à décorer sa vie. La pinte de lait comme décoration dans un frigidaire, ça marche pas, ok? Tu sais, quand un inconnu vient t'écrire salut, fait que là, t'es comme, ah, ben je vais lui répondre salut pour être poli. Fait que toi, tu lui réponds salut. Mais la personne est tellement brillante qu'elle te fait une vue. Je suis comme, wow, super conversation, hyper pertinent. La fille, elle capote, hein? Quand t'arrives pour aller dormir et que tu vas brancher ton téléphone sur ta charge, mais que t'es tellement pressé d'aller dormir que tu prends pas le temps de voir si ta charge est bien prise dans ton téléphone, mais que tu te rends compte que le lendemain matin, t'as vraiment mal, mais vraiment mal branché ton chargeur. Fait qu'au final, ton sel, il est juste pas chargé, puis il est à 2%, puis il est 6h le matin, puis tu dois toffer ton sel jusqu'à 5h du soir. Moi, te dire que le 2%, tu vas l'économiser assez vite, merci. Genre, vraiment. Quand t'arrives pour aller aux toilettes parce que t'as vraiment, mais vraiment envie, fait que ça presse genre vraiment beaucoup, pis que t'arrives pour aller aux toilettes, fait que là, ça, tu fais ta job pis tout, mais après que t'as fini, tu te rends compte qu'il y a juste plus de papier de toilette. T'es comme pogné un petit peu ça à la balle, hein? Je dis ça de même. Les gens qui oublient, mais je dis bien, oublient de se brosser les dents pis qui viennent te parler à ça de ta face, s'il te plaît, brosse-toi les dents. Parce que pour le soin de ton entourage et l'empêchement de faire des remontées de vomi à ton entourage, brosse-toi les dents. Ok? Quand mon alarme le matin décide, elle aussi, de faire la grosse matinée, fait qu'elle sonne pas. Fait qu'évidemment, toi, tu manques ton autobus, puis ça donne que cette journée-là, il y avait un examen ou un projet à remettre. Ça rend moi des chanceux. Quand t'es en plein en train de regarder ton émission, ok, pis que là t'es dans l'action, pis là tu vas savoir qui que tu es qui, mais il y a une maudite annonce. Fait que tu sais pas qui que tu es, Nadine, dans District 31, non. Parce que Bel Air Direct a décidé d'interrompre cette action-là. Bel Air Direct ont décidé de vendre leurs produits, mais que toi, tu sauras jamais qui a tué Nadine, non. Parce que Bel Air Direct a décidé de s'imposer.
quand les gens s'auto-définissent comme étant un influenceur, fait qu'ils écrivent ça dans leur bio Instagram, je suis comme, juste non. C'est comme si je me disais que j'étais une chef cuisinière, puis dans le fond, mon plus gros repas que j'ai fait, c'était des toasts au beurre, puis un bol de céréales Lucky Charm. Genre, non. Donc c'est pas mal ça qui va conclure ma vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis dans le fond, ok, ces faits là que je vous ai énumérés, en fait les faits que je déteste, c'est pas vraiment des choses que j'haïs à mort. C'est juste dans le but de vous faire rire, puis c'était vraiment à prendre sous un second degré parce que oui c'est des choses qui m'énervent, mais en réalité c'est pas vraiment des choses qui vont me faire mourir de vie. Bref, vous avez compris, dans le fond cette vidéo là c'était juste à prendre sous un second degré, en fait comme dans toutes mes vidéos presque. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!